Antoine. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, et copains et copines, on espère que vous allez bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que tu fais comme vidéo aujourd'hui? Je vais vous montrer le jeu d'Anzoman sur ce téléphone. Alors, c'est comme ça au début, on peut aller dans le mode aventure, voyez. Attends, mais nous, on a peut-être jamais joué à Anzoman. Oui. Alors, c'est une application, effectivement. Là, tu es en train de jouer sur mon téléphone. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu où en fait tu dois sauver le monde. Et c'est un jeu très simple. Enfin, si t'es dans le dernier niveau, c'est pas très simple. Alors là, je vais faire le premier niveau pour vous montrer. Alors, Dan the Man, Dan c'est ce petit bonhomme là, c'est ça? Oui. D'accord. Alors c'est un jeu auquel Swan joue assez régulièrement quand il a justement le laps de temps pour jouer aux écrans parce que c'est assez chronométré. Et d'ailleurs, il y a un truc pour sauter, c'est le bouton où il y a la flèche en haut. Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est pour faire sauter ton bonhomme, d'accord. Et le point, c'est pour taper. Là, je vais battre un ennemi, je l'ai battu. Ça, c'est une plateforme. Voilà, j'ai eu. Et oh, par contre, il faut pas aller dedans. Et là, pour lancer, il faut faire ça. Puis après, on se tient au point. Ah, il y en a un autre, donc là je l'ai battu. Hein. Mais les trucs que je fais, et battre en un coup et tout ça, ça en fait c'est des trucs tout améliorés en fait. Hein. C'est-à-dire que tu as eu des armes supplémentaires au fur et à mesure? Non, ça c'est pas des armes, c'est des coups. Ah, c'est des coups. Mais donc tu as de meilleurs coups qu'avant, c'est ça? Oui, j'ai des meilleurs coups qu'avant. D'accord, parce que tu joues depuis un moment et donc tu as eu des options. Oui. D'accord. Et ça c'est des petits bocaux et ça te fait gagner des pièces. Non, ça c'est des petits... Bocaux. Voilà. Et ça te fait gagner des pièces, d'accord, très bien. Alors, Edo, c'est tes amis. Ah bah alors, faut pas leur taper dessus. Oui, et là, je vais aller dans la zone secrète, voilà. D'accord. Ils me félicitent. Puis après, il y aura une zone de combat. D'accord, donc eux, ils t'encouragent à aller dans certains endroits. Oui. Ah, encore un combat. Et ça, ça c'est un vrai combat avec beaucoup d'ennemis. D'accord, bravo. Et tout à l'heure, il y avait une pomme, mais tu ne l'as pas ramassée. Pas parce que j'avais toute ma vie et la pomme, ça te fait donner des avis. Et ça existe aussi, et cuisse de poulet et poulet. Alors là, j'ai fini le niveau. Et ils disent, oui, ouais, les villageois, parce que c'était le premier niveau aussi. Hein. Ah oui. Et moi, j'ai fini le dernier niveau, quoi. Donc là, ils te disent, où sont les villageois, c'est ça? Oui. Et je vais faire un niveau un peu plus difficile. Allez, le monde toxique, deuxième niveau du monde toxique. Donc il y a plein de niveaux différents. Mmh. Et toi tu les as pas tous seul pour l'instant? Oui, mais pas tous, mais j'ai fini le premier mode. D'accord. Premier mode, en fait là c'est le mode difficile quoi. D'accord, t'as tout fait tout seul? Oui, tout fait tout seul. Enfin non, il y avait des aides de Léo quand même à certains boss. D'accord. Quand j'avais commencé les jeux, par exemple le deuxième boss où c'est un petit peu dur de les battre. D'accord. Par exemple le deuxième ou le troisième. Et le poulet que tu as eu là, ça sert à quoi? En fait ça c'est pour te redonner des avis. Là je me suis fait perdre un coup d'épée. Ah, un sac d'argent, génial. Et puis après je vais aller dans une zone secrète. C'est là-bas. Zone secrète, et là il y a un coffre que tu dois taper. Ah, je récupère un poulet, aussi un diamant. Waouh, alors le poulet, on a vu, ça t'a redonné de la vie. Oui, beaucoup. La pompe, ça te redonne qu'une seule vie par contre. Et la cuisse de poulet, deux. D'accord. Et le diamant, il sert à quoi? C'est pour donner plein de sous. Et sous, en fait, c'est pour améliorer tes points et aussi tes armes. D'accord. Et ça, c'est une petite pub. Hein. D'accord. D'accord. On peut la passer la pub, c'est bon? Oui, c'est bon, on l'a passée. Aussi, c'était. Ça, c'est une boutique. Je vais pas faire là-dedans pour l'instant parce que j'ai perdu aucune vie. Lui, par contre, il est très fort. Voilà, je viens le battre. La boutique, tu peux acheter quoi dedans? Je peux acheter une arme, deux armes ou deux trucs de vie. Oh, c'est pas vrai, il y a encore des petits soldats. Mais t'as pas besoin d'armes là? T'as tout ce qu'il faut? Oui, j'ai tout ce qu'il faut là. D'accord. Ah oh oui, j'ai fait, ma super attaque. Bah ouais, génial. Et ça, c'est une chauve-souris. Il faut abattre en une technique, appuyer sur la flèche qui donne en haut deux fois. Et ça te fait ça. Oh, un hélicoptère police. Ah, il m'a donné une pomme.
Ah oui, c'est bon, je me suis redonné la vie. Hop. Et là, tu repars. Lui, c'est un soldat du début du jeu. Hein. Tu m'as tué. Et aussi, ça existe Gargantua. Et aussi, ça existe Féétrique et Bout de Pique. Ça, c'est des bouts de pique. Et ça, c'est un énorme Féétrique. Faut que je me mette là avant que ça m'électrocute. D'accord. Et là, je récupère un petit sac d'argent. C'était un objet secret. Waouh. Et là, j'ai encore allé dans une zone secrète. T'es super à l'aise, hein. C'est-à-dire que pendant que tu m'expliques tout ça et que tu expliques en même temps aux copains et aux copines, tu continues à jouer, à passer les ennemis, à récupérer les pièces. C'est assez épatant, je trouve, à ton âge. Et maintenant, oh oui, c'est un soldat bouclier, on est presque obligé de faire sa super attaque pour battre. Et quand je te dis que tu utilises un personnage sans super attaque qu'on tue, je te dis que c'est pas très pratique. Alors là, c'était une zone secrète, et on avait une autre par ici, mais je l'ai pas pris, même si j'avais déjà trouvé, mais bon. Mais là, je l'ai pas pris. Ah, génial, un lance-couteau. Alors ça, c'est une arme améliorée, le lance-couteau, en fait. D'accord. Ah, une zone de combat. Là, par contre, c'est mauvais signe, c'est une zone de combat très, très, très dure. Ah. Tu as déjà réussi à vaincre tous ces ennemis ? Moi, ouais, j'ai déjà réussi, mais avec difficulté. D'accord. Alors, ce que je te propose, c'est de te concentrer sur ton combat. Et pendant ce temps-là, j'explique un peu plus aux copains et aux copines. Okay. Alors, Swan, il a l'autorisation, bien sûr, de jouer aux jeux vidéo. Ah, il y aura un Gargantua bouclier. Ah, voilà, montre-nous. Mais seulement peu de temps dans la journée. C'est quoi celui-là, non ? C'est un Gargantua. Waouh, il est beaucoup plus gros que les autres, effectivement. Ça, c'est une zone secrète avec des pics. Et ça, c'est des trampolines. Hop, ça, c'était un diamant. Oh, ça, c'est pour récupérer un bazooka. Il savait quoi, le bazooka ? En fait, ça attire des gros trucs. Et j'allais me soigner dans la boutique. Ah, la fameuse boutique. Bonjour, monsieur. Voilà. T'as acheté quoi ? Un cœur. Ça te redonne toute ta vie. Et aussi, t'as une potion qui te permet que quand... tout serait vert et mort et noir, ben, ça te permet de revivre. D'accord, comme une potion magique en fait. Ouais, voilà. Et tu as dans presque tous les niveaux. Mais il y a aussi les niveaux du monde amélioré que je n'ai pas encore fait. D'accord. Où tous les personnages sont améliorés. Bon, dedans, il y a une cuisse de poulet que je peux pas manger vu que j'ai toute ma vie. Et là, je vais essayer de récupérer un sac d'argent. Non, j'ai pas réussi. Hop. Et attends, on va voir. Là, il y aura une boutique. Ça veut dire qu'il y aura peut-être une petite place de combat. Ça, c'est une petite pub. Et hop. Et là, attends. Ah oui, il y a une zone de combat. D'accord. Et là, il y a plein de soldats. Il y a des ninjas. Il y a des ninja tireurs. En fait, les ninja tireurs, ils sont un peu plus forts que les ninjas. Ah d'accord, ils sont mieux équipés. Non, ils sont pas que mieux équipés. Ils ont plus de force. Non, pas plus de force. Les ninjas, ils ont autant de force, mais il y a plus d'attaque. D'accord. Alors comme je disais tout à l'heure, même en jouant peu à Dangdeman, Swan est devenu vraiment professionnel. Hein. Et là, il y aura deux Gargantua. Ah non, là d'abord, il y a des hélicoptères police. Oui, donc il y a des cadeaux quand on arrive à les détruire, c'est ça? Non, en fait, tu peux partir, en fait. Ah, tu peux t'enfuir avec l'hélicoptère? Non, pas avec l'hélicoptère. Justement, il faut le détruire. Ah d'accord. Pourquoi tu dis qu'on peut partir, alors? Deux secondes, attends, là, j'allais dans une zone secrète. D'accord, excuse-moi. Hop là. Ça, c'était une zone secrète, il y a un poulet. Je vais pas le récupérer. Moi, je suis à des niveaux beaucoup plus avancés. Hein. Et ah oui, là, tu refais les premiers niveaux, c'est pour montrer aux copains et aux copines comment ça fonctionne, en fait, c'est ça. Oui. Hein. Et là, par contre, on va voir les deux Gargantua. D'accord, voilà. Toi, t'es lui, c'est le premier Gargantua. À deux pistolets, on voit dans le monde, qui était encore plus bas. Toi, t'es mieux. Ah, j'en ai battu un.
Déjà, ouais, c'est bien. Ah, super attaque. Oui. Oh non, il m'a... Oh là là. Il m'a lancé des balles de pistolet. Et là, par contre, je peux très bien. Wow. Oh, il m'a tapé. Non, tu fais pas ton style. Voyager, enfin. Et là, je finis un niveau. Hop là, j'ai fini le niveau, je passe histoire. Et maintenant, je vais vous faire le dernier niveau. Quand j'aurai passé cette pub. Et là, je vais faire le dernier niveau. C'est celui du boss final. Mais tu l'as déjà fait? Oui, j'ai déjà fait. Et tu l'as déjà passé? T'as déjà réussi? Oui, j'ai déjà réussi. Ah, mais t'as fini le jeu? Non. Non, j'ai pas fini le jeu complètement. Mais... Ah. Ah, je me suis fait enfermer. Oh, pourquoi il m'a écouté? Alors, ça, c'est pas très, très, très simple. Mais bon, je peux quand même y arriver, hein. Mmh. Allez, non. Ah, il y a une pomme. Je viens de demander. Oui, tu en as besoin, là. Mais j'en ai... Mais je vais pas m'en récupérer, là, c'est bloqué avec des flammes. Ouais, il y a des centaines de soldats. Et aussi des petits ninjas pour bien les embêter. Puis après, il y aura un truc trop drôle qui est hyper embêtant. Merci pour la prise de poulet. Et toi, oui, c'est un légionnaire. Voilà, que j'ai vu. Voilà. Oui, c'est un des punis du jeu. Ah bon? Oui. Hop. Oui, merci pour le poulet. J'ai plus qu'une vie. Enfin, non. Là, il y a une zone de combat. Une zone de combat passée. Par contre, il y a des petits chiens. Oui, ce ne sont pas des gentils chiens apparemment. Non, pas du tout. Là, il y aura encore une zone de combat. Dans les zones de combat, pour faire plus d'action, ils mettent des chauves-souris. C'est pas très utile, mais bon. Tu ne trouves pas ça très utile. C'est... Mais par contre, c'est fort, hein. Arrête de me tirer. Hop, il reste toi, grenouille. Hop. Ah non, en fait, j'étais pas seule. Hein. Alors là, par contre, j'ai toute ma vie. Hein. Oui, je vois ça, t'as mis une pomme. Mais il n'y a pas que des pommes. Hein. Alors là, zone secrète. Tranquille. Mmh. Alors, c'est quoi l'espèce de truc vert là que t'as attrapé, le carré vert? Ça, c'était de l'argent. Ah, c'est comme le diamant tout à l'heure? Ça vaut plusieurs pièces en fait. Et là, il y aura des shurikens. Il y a des shurikens. Je vais pas trop m'en servir, hein. Ah. Mais nous, ils s'en servent tout le temps. Hmm. Ah, c'est quoi ça? Ah non, c'est pour monter dessus, je croyais que c'était des coffres au trésor. Non. Hmm. Et ça, c'est des plateformes. Oh, ça, c'est une zone de combat hyper méga dure. Et aussi, il y a une zone secrète. Mais je vais pas aller dedans parce qu'elle est dangereuse. D'accord. Oh, il y a des packs. Non. Bien sûr, il y a des très forts. Sinon, ce serait pas trop. Mmh. Voilà, je les ai tous battus, t'es nul. Oh, lui dire encore. Hein. Il y a une pub pour gagner un truc. Mmh. Ça peut soit être de la nourriture, soit de l'argent, ou soit une arme. Ah oui, d'accord, tu regardes la publicité et après t'as un cadeau, c'est ça? Ouais, j'ai un cadeau. Mais des fois, quand t'as pas de connexion, t'as pas de cadeau. Mmh. Voilà. Wow! Ah non, j'ai pas eu de cadeau. Dommage. Ah si, j'ai eu un cadeau, c'était un petit cœur, ça te redonne ta vie. Ah, le cœur aussi, d'accord. Oh, pourquoi toi? Pourquoi tu tires? Ah, c'est bon, je t'ai fait battre. Et voilà, ça c'est un ascenseur. Mmh. Qui n'est pas dans plusieurs niveaux. Ah, ça c'est un moment hyper dur ce truc. Alors, là, il y a des rayons laser, ça t'enflamme si tu les touches. Mmh. Voilà, il y en a plein. Il y a des sacs d'argent aussi. Il y a aussi des bombes, ça, je ne vous ai pas montré les bombes. Ça, c'est des bombes, mais il ne faut surtout pas les toucher. D'accord, si tu les touches, tu exploses avec, c'est ça? Oui, j'explose avec. D'accord, oui, il vaut mieux le savoir.
Ah, ça, c'est des boules de pique. Oh, je déteste ce moment. Là, il y aura un gargantua. Et voilà. Il est mort. Bien joué. C'est comment il est mort? Il a tombé. Ah non, j'ai raté le train. Voilà. Parce que tu dois prendre le train en plus. Là, il doit dire, il faut absolument l'éviter, sinon ça t'affame. Il s'est dévoilé. Oh, je déteste quand il y a ça là, quand il y a des petits soldats qui te suivent. Allez, toi Dieu. Mais pourquoi tu restes sur le train en fait? Je comprends pas. En fait, le train il te fait avancer. Voilà, c'est à tout battu. D'accord. Et sinon, si t'as pas le train, tu n'avances plus. Moi, j'avance plus et je me fais taper. D'accord. Voilà. Voilà. J'ai préféré. Ah, il y aura une boutique où je pourrais me soigner. Alors, qu'est-ce que tu vas acheter de beau dans la boutique? J'ai acheté un poulet, ça ne me redonne pas toute ma vie, mais je peux encore en acheter. Alors, il y avait quoi d'autre à acheter? Il y avait une mitraillette, mais c'est pas très utile. D'accord. En ce moment, il est hyper nul. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te bats contre des tireurs. Ah, mais c'est pas bien du coup? Non, c'est très dur en fait. Ah. Parce que tu dois éviter plein de balles. Bon, il n'y a plus que laser à éviter. Puis après, je suis dans l'ascenseur. Et là, j'ai juste un messé. Ça, c'est un petit labyrinthe très facile. Et voilà, je vais être de ce côté-là. Sinon, je me prends des bombes. Hop. Oh, ça, c'est hyper dur. Il y a un gargantua dedans. Voilà, c'est lui, gargantua. Deux pistolets. Mais c'est pas amélioré, hein. Il n'y a aucun amélioré dans le monde facile. Oh, j'ai battu. Mais lui, par contre, il te fait gagner une arme. Qui ça? Une gargantua, il te fait gagner une mitraillette. D'accord. Super attaque. Oh, je suis des chauves-souris. C'est pas très fort. Ça, par contre, c'est très fort. Parce que on a... Oh, il y a encore un gargantua. Il n'a pas tout le monde. Non, j'ai déjà battu. J'étais déjà battu ici. J'ai plus qu'une vie. Il faut absolument un truc de soin. Oui, il n'y a rien là. Allez, chauve-souris. Je donne rien. Oh, objet secret. C'était une petite poule. Chance. Voilà, c'est bon, je suis libre. Waouh, t'as eu chaud, hein? J'ai eu chaud, hein? Mais de toute façon, après, j'avais encore des vies. Ah. Ah, voilà, une boutique. Je pourrais me soigner ici. Enfin, j'ai vite me soigner, sinon, je vais mourir. Parce que là, en fait, on va se combattre contre le boss final. T'as acheté quoi, là? Du coup, des vies avec le cœur? Oui. Et le cœur, en fait, ça te redonne toute ta vie. Allez, je vais passer l'histoire. Et voilà, le boss final. C'est un gros robot. Tu l'as déjà battu? Oui, déjà. Il était très nul. Ah. Le début, en fait, il est pas très fort, en fait. Au début. D'accord. Oh, je déteste quand il fait ça. T'as un poulet là-haut, hein? Ouais, je vais récupérer. D'accord. Ça m'a pas facilité, du coup. Merci un peu. Ok. Oh, je suis sûre qu'il va me lancer les petits canons. J'en étais sûre, il va me lancer les petits canons. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire alors pour le battre? Ben, je dois attendre qu'il lance tous ces machins. Puis après, quand il a fini, ben... Ah, il va bientôt... Ça va bientôt être fini, ces attaques. Voilà, c'est bon, c'est fini ses attaques. Je peux enfin le taper. C'est bon. Non, je peux plus le taper. Ah d'accord, vous t'attendez à chaque fois. Ouais, sinon je peux plus me battre. Oh, pourquoi c'est ici qui est enflamme? Oh, rien. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et en fait, j'ai perdu ma potion. Donc il t'a quand même redonné de la vie? Mais c'est la dernière fois, c'est ça? Tu avais une potion de survie en fait. Et que tu as utilisé, d'accord. Ça, c'est la dernière chance, hein. Oh non.
Là, je suis fichu. Non, non, il te reste encore un peu de vie. Ouais, je sais, mais c'est un truc très très dur. Ah, c'est bon, c'est fini. Non, non. Bon, ça, c'est le feu. Il faut juste que je reste pas à l'endroit où on se met. Ah, génial. Les points, c'est pas très fort. C'est bon, je peux le taper. Oh non, je vais pas taper. Je fais. Oh non. Bino, il est coriace, hein. C'est beau signal. Oh, un petit point. Oh, c'est bon, il n'a pas fini. Oh non, pas lui, pas ça. Oui. Oh, c'est bon, c'est pratique. Je trouve que c'est facile. Non, c'est une grosse boule d'énergie. J'ai survécu cul quand même. Ah, c'est bien ce truc. C'est juste un train. Voilà, je peux taper. Ah non, j'ai battu sa moitié. Alors, dommage, j'ai battu sa moitié. Ça va, les canons. Il n'y a pas que les canons. Aussi. Oui. Allez, vite, vite. Presque. Non. Manque pas grand chose, mais toi, t'es en faiblesse aussi. Hein. Faudrait que tu trouves un poulet. Ah, oh, je me suis battue. Oh, je me suis battue. Alors là, par contre, alors. Là, j'ai mourir parce que Bossina, il est bien plus trop fort pour moi. J'ai tapé sur nous. D'accord, mais tu pouvais continuer si tu voulais en utilisant des pièces, en fait, c'est ça. Oui, et aussi je pouvais regarder une publicité, mais ça je le fais jamais. Maintenant, je vais faire un niveau où je suis bloquée. Ah, tu vas montrer aux copains et aux copines jusqu'où tu es allée. C'est un niveau très 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 dur. D'accord. Au début, mais je te dis que c'est dur, hein. Bon, maintenant, oh, j'ai une potion. Alors que j'en avais pas dans le mode difficile, oui, bien entendu, on n'a pas de potion. Début. Oh là, tu vois, il y a des personnages améliorés, des chiens améliorés. Tu vois, ils sont bien plus résistants et bien plus forts. Comment tu le sais? Ils n'ont pas la même couleur? Oui, ils n'ont pas la même couleur. D'accord. Les hélicoptères police. Et là, je te dis, tout est amélioré. Hein. Là, je sais pas s'il y aura des ennemis au coin du stand. Là, t'as pas toute ton énergie, hein. Ah, mais là, par contre, du rail boss. Hein? Ça, c'est ça, le boss. Un train doré. T'es déjà à la fin du niveau, en fait? Oui. T'es à la fin du niveau, en fait, c'est le boss. Ouais. Oh, t'as tapé ton propre chien. T'es pas gentil avec tes animaux. Oui, d'accord. Faut que tu évites son retour. Et en même temps, toi, faut que tu le tapes. Mm. J'ai perdu aucune vie pour l'instant. Pour l'instant, tout va bien. Oh, attention, j'arrive. Oh non. Oh. Il faut pas s'occuper des petits chiens. Oh. Il est coriace, ce boss, hein, je te dis. Et puis quand le chien arrive, c'est là où il arrive. Mmh. Oh, petit chien. D'ailleurs, lui, il y a un instructif là, il faut me taper que la tête. Allez, vas-y. Oh non, il m'a tapé. Heureusement, tu as ta potion de récupération. Mais lui, avec un seul coup, il t'avait tué en fait. C'est ouais. Fou ça. Parce qu'il est amélioré, je pense qu'il est plus fort. Ouais, parce que toi, avec tout ce que tu lui mets depuis tout à l'heure, ça lui fait rien. Si, ça lui fait quelque chose. Ouais, mais c'est long quoi. Alors que lui, en un seul coup, il t'a tout fait baisser d'un coup. Je te dis, il est fort. Ouais, il est très très fort. Hein. Méfie-toi. Allez, descendez. Oui. Tu sais qu'il peut battre ses propres chiens. Bah ben oui. Il est un tout petit peu moins levé que moi. Oui, c'est possible. Fais attention. Allez, arrête. Arrêtez, petit chien. Allez, tu vas l'avoir là. C'est yes.
super. J'ai eu. En plus, c'était le niveau que j'essayais de faire. Yeah. Yeah. Tu l'avais jamais eu celui-là encore? Non, j'avais jamais vu encore. J'avais jamais eu encore. Et en fait. Waouh. Il faut que je récupère un coffre. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y aura? Ah, il y aura ça. 750 pièces d'or. J'espère que j'aurai assez de pièces pour améliorer ce truc. Parce que si j'améliore, après je pourrais me balader en poule. C'est ça, c'est bien de se balader en poule. Et lui, en fait, c'est un personnage. C'est le seul personnage où on peut lui mettre des déguisements. D'accord. Alors, moi, je vais mettre le déguisement. Bon, et villageois. Comme ça, dans le premier niveau, ça va être drôle. Alors là, si j'ai bien compris, donc tu as réussi à battre le boss qui te posait problème et à dépasser ton dernier niveau, c'est ça? Oui. Super, dis donc. Et d'ailleurs, il y a d'autres bots que je vous ai pas montrés, mais il y a les autres mondes, mais qu'il faut acheter pour... Il y a le monde des zombies qui semble très bien, et il y a le monde de Noël, avec les boss magnifiques. D'accord. Et ceux-là, il faut les acheter. Ah oui, je vois, ils sont payants, d'accord. Et toi, tu joues avec la version gratuite, en fait. Oui. Juste les pièces que tu réussis à gagner. Et lui aussi, on doit acheter pour avoir hyper méga fort. C'est bon, tu t'arrêtes là pour aujourd'hui, petit cœur? Oui, je m'arrête là. Alors, ce jeu, Dan the Man, ça fait longtemps que tu veux le faire en vidéo. Et là, j'ai enfin fait. T'es content? Je suis hyper méga content. Ah. En plus que j'ai réussi le niveau où j'étais bloqué. Alors là, c'est zen. Là, c'est super. Petit cœur joli. Alors, c'est la première fois que Swan fait du coup une vidéo, on va dire un petit peu gaming, hein, voilà, entre parenthèses, gaming. Avec une application. Tout seul, puisque bah, comme vous l'avez compris, moi je ne sais pas jouer à Dan the Man, donc Swan s'est vraiment débrouillé. Mais par contre, t'as fait au niveau 1 et niveau 2. Moi, ouais, tu m'avais fait jouer une fois, je me souviens. J'étais très nulle. Quand même, je t'ai un peu montré les trucs. Et oui, quand même. Au niveau 1 et niveau 2, quand même. Tu m'as aidé. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans ce jeu en fait? Qu'est-ce qui est bien? En fait, j'aime bien quand on se combat contre des personnages, parce que les personnages sont de plus en plus forts. T'aimes bien l'évolution du jeu en fait. Oui, voilà. Et comment les copines, est-ce que vous connaissez le jeu Dan the Man? Dites nous et commentaire. Pensez au pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Ah non, mais ça y est. Tu t'y crois? C'est pas parce que t'avais une vidéo avec des applications que t'es devenue Neo The One, hein? Ah mais si, je suis devenue Neo The One, hein. Bien sûr, bien sûr. Alors les copains et les copines, dites-nous aussi si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez que Swan teste d'autres jeux ou d'autres applications comme ça en vidéo, parce que lui, il adore ça. Petit coquin, on vous fait plein de gros bisous, on vous adore. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye et plein de bisous. Je pourrais aller au boss suivant.